السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل في cette soirée du dimanche 22 Safar 1436 de l'Hégire, correspondant au 14 décembre 2014. Inch'Allah ta'ala, avec le huitième cours. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va terminer donc le troisième et quatrième point. Inch'Allah ta'ala, donc on est avec les trois fondements bi'idhnillahi ta'ala. Donc on récapitule. On dit qu'il fallait connaître quatre choses. Donc la science, c'est-à-dire connaître Allah Azza wa Jalla, son prophète, ainsi que la religion islamique en se basant sur des preuves. Et la deuxième, la mise en pratique de cette science. Et la troisième chose, appeler les gens à cette science. Et la quatrième des choses, patienter face aux épreuves qui en découlent. Donc, il y a parlé de la troisième chose et quatrième chose. Donc, on va maintenant parler, on va reparler de la troisième chose, appeler les gens à cette science, mais cette fois en disant ce qu'a dit le savant Cheikh Najmi hafidhahullah ta'ala et Shaymi hafidhahullah ta'ala, et aussi Cheikh Salah al-Sheikh hafidhahullah ta'ala, Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala. Naam. En ce point, appelez les gens à cette science. Vous m'entendez pas? Naam. Si jamais je parle beaucoup et puis que vous m'entendez pas, ça veut dire que je suis en train de lire, donc je vois pas ce que vous. Je ne vois pas que j'ai perdu le micro. Dans ce cas, il faut prendre le micro et me dire vous ne l'avez pas. Donc, Cheikh Souhaimi, Hafidhahu Ta'ala, dit par rapport au troisième point, appeler les gens à cette science. Il dit, l'appel à la science se fait quand les qualités requises sont présentes, soit au contact des gens de science durant une longue période. Et Cheikh Ben Baz, concernant ce point, nous dit, c'est Cheikh Souhaimi Hafidhahullah Ta'ala qui dit, c'est lui qui dit que Cheikh Ben Baz Rahimahullah Ta'ala a dit, tout musulman se doit d'appeler à Allah, de prêcher selon sa capacité et sa science. Toute personne, homme ou femme, a une part de cette obligation de transmettre, de prêcher, d'orienter, de conseiller et d'appeler au monothéisme, au tawhid, l'unicité d'Allah. De conseiller les gens afin qu'ils soient constants dans la prière, qu'ils versent la zakat, qu'ils effectuent leur jeûne du mois de Ramadan, qu'ils accomplissent le pèlerinage à la mairie, pour celui qui en est capable, d'appeler à la bonté envers les parents et au respect des liens de parenté et à l'abandon de tous les péchés. Donc, ce que vient de citer ici Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, Cheikh Souhaimi a dit, toute personne yani, peut le faire. Toute personne peut le faire. Toute personne peut dire à son frère, à sa soeur, à sa mère, à sa voisine, à son voisin, yani, par exemple, que tu ne pries pas à l'heure, ou là, je ne te vois pas prier, ou bien des choses comme ça. Non. Donc tout le monde yani, peut, bi'idhnillahi ta'ala, appeler à l'islam. Certes, l'appel à Allah Azza wa Jal est la charge, la fonction des prophètes, des messagers et de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Et c'est une charge immense. Et peu de gens l'ont compris et perçu. Cet appel, qui est la responsabilité de tous les étudiants en sciences, ici il a dit, les étudiants en sciences, se doit d'être effectué strictement pour Allah, pour la cause d'Allah, pour se rappeler d'Allah, par amour pour lui, par fort désir d'obtenir sa récompense
et par crainte de son châtiment. Donc voilà les intentions que doit avoir lorsqu'on fait la da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les intentions qu'on doit avoir? Bi'idhnillahi ta'ala, il a dit, il a dit, ça doit être effectué strictement pour Allah, pour la cause d'Allah, pour se rapprocher d'Allah, par amour par lui, par fort désir d'obtenir sa récompense, par crainte de son châtiment. L'appel à la science ne se réalise que pour que la parole d'Allah soit là dans l'objectif de propager la science. Et ceci incombe à toute personne à qui Allah Azzawajal a donné les capacités pour le faire. Et la science, ce n'est pas le fait, écoutez bien, et la science, ce n'est pas le fait d'être attaché aux journaux et aux revues. Non, confond les qui? Les frères musulmans. Non. Tout le temps, yani, pour lui, la dawa, c'est de lire ce qui s'est passé dans les journaux et te dire, voilà ce qui s'est passé dans tel pays, dans telle ville, et ceci, cela. Le moins, que ce soit ces revues immorales et qui inondent les marchés, ou que ce soit ces pseudo-revues islamiques, dont la plupart d'entre elles se cachent derrière l'islam pour manigancer et comploter contre l'islam et les musulmans. Non. Non. Véridique, celle que l'on fait jaillir quand on appelle Allah Azzawajal, c'est la science issue du livre d'Allah Azzawajal et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, l'appel à cette science, à cette source et la mission de quiconque a été facilité dans sa recherche de la science par Allah, ceux qui disent la vérité et réforment les gens par cette vérité. De ce fait, tout le monde se doit de faire des efforts dans l'optique de devenir des prêcheurs à Allah Azzawajal. Et cela après s'être armé de la science. En fait, qui ne voudrait pas y aller faire la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala? Tout le monde. Et d'après ta sincérité et d'après la science que tu as, tu fais la da'wah bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète alayhi sallam a dit, Balliru anni wa il a dit, propagez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc soit. Si tu as entendu un savant expliquer un verset et que tu as bien saisi le sens, il est de ton droit, même il est même de ton droit, de transmettre ce verset. Naam. Donc on me dit qu'on m'entend pas. On dit qu'on m'entend pas. Et de ton droit, de quoi? Obligation de transmettre l'explication de ce verset. On n'est pas obligé, yani, que pour que je transmette. Il faut qu'on soit nombreux, il faut que je m'assoie sur un fauteuil, il faut que les gens soient autour de moi, il faut que ce soit dans une mosquée, il faut que ce soit dans une conférence. Tout cela n'est pas obligatoire. Ça te suffit que tu sois toi et la personne, toi et une personne, c'est tout. Et que tu dises à cette personne, entre toi et elle, voilà ce que Allah Ta'ala a dit, voilà ce que le prophète a dit. Non, il a dit, écoute, c'est bien sûr. Il ne s'agit pas d'appeler à Allah Azzawajal en propageant des récits, des fictions, des chimères, des rêves ou en diffamant les gens ou en les intimidant. Non. L'appel à Allah ne se réalise qu'après s'être armé des armes de la science comme nous l'avons vu précédemment. Et il est obligatoire de commencer par le plus important, les bases, le dogme du tawhid. Et d'appeler au tawhid. Nous n'appelons pas à un simple rassemblement, ni à l'action, à la fougue, sans que tout cela ne soit basé sur l'unicité d'Allah Azzawajal. Non. Donc il a bien dit, il ne s'agit pas d'appeler Azzawajal. En propageant quoi? Des récits, des fictions et des chimères et des rêves où on diffamant les gens ou bien en les intimidant. Non. Mais sur ce qui est basé sur le Coran et la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, Allah Azzawajal a dit, à ce propos, il a dit, une seconde, je cherche le verset, une seconde.
Donc il a dit, Afaman Ussisa. Et fi Hafs Afaman Assasa. Bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwan khayr. Amman Assasa bunyana la shafa juru fi nahar. Fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdi al qawm al zalimin. C'est-à-dire, lequel est plus méritant? Salam alaikum. Donc je répète le verset, inshallah ta'ala. Et je ne sais pas pourquoi, Ibrahim Abou Fawzan, à chaque fois qu'il écrit quelque chose, je perds le micro. Je ne sais pas pourquoi, surtout s'il écrit quelque chose en arabe. Je ne sais pas pourquoi. Al-Muhim. Donc le verset, je le répète. Non, je répète le verset, inshallah ta'ala. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah Azzawajal, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croule avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les injustes. Il a cité ce verset ici, vous avez compris, parce qu'il a parlé de, yani, je ne vois pas, je ne sais pas si vous voyez la relation, il parlait de yani, les égarés et ceux qui sont loin du Coran et de la Sunna, quand ils font la da'wa, ils la font en se basant sur les rêves, et comme il a dit, les chimères et les récits et les fictions, etc. Et la Sunna et les savants et les étudiants en sciences, et cela, qu'est-ce qu'ils se basent? Ils se basent sur le Coran et la Sunna authentique. Et la différence entre celui qui se base sur les chimères et les récits, et celui qui se base dans sa da'wa sur le Coran et la Sunna authentique, c'est comme la différence entre celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ici Coran et Sunna, et l'autre, celui qui fait la da'wa avec les récits, les chimères et les contes, donc celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante, et qui croulera, non, qui croulera, absolument. Il a dit ainsi, cet appel, ce prêche, ce n'est pas une simple motivation des foules, comme on peut le constater dans certains pays. Certes, naam, il ne s'agit pas d'enthousiasmer, de stimuler les gens, sans se reposer sur la science qui leur permettrait de connaître le chemin de l'appel authentique. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas la voix des prophètes et des messagers dans leur appel prêche. C'est très important ce qu'a dit ici Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, je répète. Ainsi ce prêche, cette da'wah, ce n'est pas une simple motivation des foules, comme on peut le constater dans certains pays. Il ne s'agit pas d'enthousiasmer et de stimuler les gens sans se reposer sur la science qui leur permettrait de connaître le chemin de l'appel authentique. Ça c'est la da'wah de qui? Surtout des frères musulmans. De quoi? De motiver les foules, de faire venir des millions, même si on ne va rien leur apprendre comme science. On va seulement les motiver pour qu'ils disent tous à la fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, on veut califat, on veut sharia, abat le gouverneur, abat ceci, abat la démocratie, plutôt ils sont pour la démocratie, abat ceci, al-muhim. Comme les frères musulmans ont fait en Égypte, ça fait pas longtemps, où ils se sont, comment on dit, tassamo. Ils sont tous restés dans la rue, je ne sais pas, 2 ou 3 mois ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Donc, ils veulent rassembler les gens et quoi? Il y a des enthousiasmés, l'âme, mais sans leur apprendre la science. Il a dit ceci n'est pas correct et ce n'est pas la voix des prophètes et des messagers dans leur appel prêche. Beaucoup de gens prétendent, écoutez, non, vous m'avez pas dit comment qu'on dit, c'est pas les manifestations, l'irtisam, comment qu'on dit l'irtisam, yani on reste dans la rue et on va plus monter, on reste des mois et on va dormir dans la rue, etc. L'irtisam, c'est pas grève, non, c'est pas grève, c'est presque. Grève, c'est grève du travail. Peut-être blocus, peut-être. Non.
Et dernièrement, les étudiants de en Chine, dernièrement, ça fait 15 jours ou là, ou peut-être jusqu'à maintenant, ils font cela. Ah. Beaucoup de gens, écoutez bien, beaucoup de gens prétendent être des prêcheurs et beaucoup de gens s'invitent à prêcher. Cependant, il est obligatoire que ce soit les gens de la da'wa qui fassent la da'wa, c'est-à-dire ceux qui ont la science, la connaissance, un dogme correct, authentique, ceux qui s'éloignent de la recherche d'intérêt personnel et de toute propagande et de l'intimidation. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, il est obligatoire que ce soit les gens de la da'wa qui fassent la da'wa. Qui sont les gens de la da'wa? C'est-à-dire ceux qui ont la science, la connaissance, un dogme correct, authentique. Ensuite, ceux qui s'éloignent de la recherche personnelle. Mais dans le but de recherche d'intérêt personnel. Par exemple, recherche de pour que on me donne de l'argent, pour qu'on me donne un poste, pour que on me donne un statut dans les cœurs des gens. Il y a aussi qui font avec cette intention. Je fais dawa pour que devant les gens, yani j'ai vraiment un statut élevé. Tout le monde me respecte, tout le monde se dit de moi cher, dit de moi. Et comme ça. Moi, je connais quelqu'un jeune, peut-être 30, 35 maximum. Naam, qui est imam, naam, et qui a fait beaucoup, beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, certains ne lui disent pas Cheikh. Il l'appelle par son prénom. Je ne dis pas son prénom, mais par exemple, il s'appelle Mohamed. Certains lui disent Mohamed, comment ça va? Et il dit, comment? Tu ne sais pas que je suis Cheikh. Et comme ça. Naam, a'oudou billah. Il a dit ici, ensuite il a cité le verset ici, il a dit. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب سي با سو فيرسي سي با سو فيرسي نعم دونك هذا واقيلا يفونكسيون با اون سكوندا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. طيب donc, si je ne l'ai pas mis en français, donc voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Le témoin, c'est quoi? J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Donc, quand j'appelle les gens à Allah Ta'ala, je me base sur une preuve évidente. Ce n'est pas sur les contes et les récits et les rêves et les chimères et les hadiths forgés et les hadiths faibles et comme ça. Mais je me base sur une preuve évidente. Taïb. Ensuite, ainsi cet appel se prêche. On l'a lu. Concernant ce verset, c'est toujours Cheikh Salih Al-Suhaimi, hafidahullah ta'ala, qui dit, il a dit concernant ce verset, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, nous dit, telle est la voie du messager d'Allah et de ceux qui le suivent, la science, la pratique et l'appel à Allah. La pratique et l'appel à Allah. Tayyib. Ça, c'est ce qu'a dit Cheikh Souhaimi, hafidhahullah ta'ala. Quant à Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, il a dit par rapport au troisième point, qui est le fait d'appeler les gens. Le fait d'appeler les gens. Quiconque a la foi et la met en pratique en Allah doit passer à l'étape suivante. Quelle est l'étape suivante? La prédication, la da'wah. Nous devons en effet appeler les gens à notre foi et à l'application de ces enseignements afin qu'ils puissent gagner leur salut. Et puisque la prédication nécessite en premier lieu une certaine sagesse, hikma, et en second lieu une grande patience, alors l'auteur a ajouté, patientez, il faut patienter face aux persécutions qui en découleront.
de cet appel. Naam. Quant à Cheikh Salih al-Cheikh, hafidhahullah ta'ala, a dit par rapport à ce point, par rapport à ce point, c'est-à-dire appeler les gens à la da'wa. Il a dit innahu ilmun wa amal. Il a dit c'est une science et yani passage à l'acte. Ce n'est pas seulement une science qu'on laisse dans son cœur ou bien qu'on a dans la tête. Non. Je dois passer à l'acte après avoir quoi? Après avoir, après m'être armé de science. Yid'u ila dhalika. Ou da'wa. Il a dit yid'u. Il a appris maintenant, il va faire la da'wa. Ou da'wa tu qad takunu bil maqal wa qad takunu bil fi'al. Et la da'wa, il a dit. Des fois, c'est avec le verbe, c'est-à-dire en parlant. Ou des fois, c'est avec les actes. Faire la da'wa, c'est pas absolument je dois parler. Mais des fois, en faisant quelque chose, j'ai fait da'wa. لأن الامتثال بالفعل دعوة. Il a dit car le fait d'appliquer une chose, c'est que tu as fait da'wa. Quand tu appliques une chose et que les gens te voient, tu es en train de faire la da'wa. فإذا امتثل المسلم لما أمر به فإن هذا يجعله يرشد غيره إرشادا صامتا بالفعل. نعم وهذا هو المطلوب. Il a dit lorsque le musulman ou le croyant, نعم, va maintenant appliquer une chose, yani d'apprendre. Le fait, il a dit, d'appliquer, si quelqu'un le voit, donc c'est comme si tu es en train d'orienter autrui, hein, d'une façon silencieuse. D'une façon silencieuse. Je donne un exemple très simple. Maintenant, moi, quand je me lève, par exemple, c'est l'heure de la prière et je commence à prier. Je suis dans un mariage ou là. Il me voit, c'est l'heure de la prière, les autres sont assis en train de boire leur limonade et de fumer et de rire. Et moi, c'est le moment de la salade, la mosquée est loin, là, je mets un tapis et je prie. Là, même s'il n'y a pas de tapis, je prie sur le sol. Donc ici, je suis en train de faire dawa. Ce n'est pas la peine que je dise levez-vous pour faire la prière. Des gens, plusieurs, Inch'Allah, qui prient, vont se lever, vont commencer à prier avec toi. Ils vont dire, subhanallah, il nous a fait rappeler. Non, il y a des gens qui sont distraits. Quand ils voient prier, ils disent, subhanallah, j'avais oublié. Donc tu as fait da'wah. Toi, lorsque tu as prié, sans parler, c'est comme si tu lui as dit, lève-toi pour prier. Et d'autres vont aussi prier. Pourquoi? Ils étaient complexés. Il dit, comment, yani, comme ça, en plein mariage, moi devant tout le monde, yani, je vais prier comme ça, il a honte. Maintenant, il t'a vu prier, il n'a plus honte. Le troisième, ça lui a enlevé le complexe. Il se lève et vient prier avec vous en groupe. Et le mohim, il a dit, Othani, ça c'est la da'wa, yani, avec les actes silencieuses. Et il y a la da'wa, il a dit ici, bil qawl wal lisan, avec la langue et en parlant. Ou da'wa bil lisan, qad takun wajiba, qad takun mustahabba. Et la da'wa avec la parole, des fois elle est obligatoire et des fois elle est yani surérogatoire, c'est pas obligé. Fa yatafarra 'an ad-da'wa bil lisan anwa' min ad-da'wa. Le fait de faire la da'wa avec la langue, c'est-à-dire en parlant, il a dit de cette da'wa on découle yani des sortes de da'wa, des sortes. Ils vont en citer là الدعوة بالكتابة بالقلم في تأليف وفي رسائل نحو ذلك. Le fait de faire la da'wa en écrivant, c'est-à-dire en écrivant, comme en écrivant des épîtres ou bien des livres ou bien autre chose, رسائل. نعم. ومنها النصائح المختلفة والمواعظ. Et ça rentre dans la da'wa aussi de la langue. نعم. النصائح, les conseils qu'on donne. Et le mawa'id, les exhortations qu'on fait. Tout cela, ça rentre dans Dawa avec yani la langue. Naam. Maintenant, inshallah ta'ala, on va passer bi'idnillahi ta'ala à l'autre chapitre, l'autre point. Et le quatrième point et dernier, qui est quoi? Qui est, on va le citer ici, quatrième point, donc on revient un peu au quatrième point. Patienter face aux épreuves qui en découlent. Patienter face aux épreuves qui en découlent.
On va voir ce qu'a dit yani, Cheikh Souhaimi, Hafidhahullah Ta'ala. Quatrième point. Le quatrième point, il a dit As-sabru ala al-adha fih. C'est-à-dire, patienter aux épreuves qui en découlent. C'est-à-dire, patienter vis-à-vis des torts, des préjudices qui peuvent nous être faits dans notre appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la patience est de trois sortes. Patienter dans l'obéissance d'Allah ta'ala. Patienter dans l'obéissance d'Allah ta'ala. Deux, patienter face à la désobéissance à Allah ta'ala. Trois, patienter face au décret d'Allah. Première patience. Patienter face, il a dit ici, patienter dans l'obéissance d'Allah. Il a cité un verset. Il a dit, comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. C'est ça le témoin, jusqu'à ce point ici. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Je ne sais pas si c'est juste, mais je n'aime pas beaucoup le mot face. Je préfère le mot visage. Comme a dit Allah Ta'ala, le wajh, le visage. Non. Comme a dit Allah Ta'ala, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, son visage. Donc, il faut faire preuve de patience. Allah Ta'ala nous a donné l'ordre. Et a donné l'ordre à Muhammad A.S. Fais preuve de patience. Et pour faire preuve de patience, naam, je dois rester avec qui? Avec les pervers, avec ceux qui boivent l'alcool, avec ceux qui... Tout cela, je ne peux pas patienter si je reste avec eux. Non, cela au contraire, c'est difficile de fréquenter des gens pareils et de patienter dans l'obéissance d'Allah Ta'ala. Au contraire, quand tu vois ces gens-là, ensuite le péché ne devient plus quelque chose de grave pour toi. À force de t'habituer à rester avec des gens qui boivent devant toi, qui font n'importe quoi devant toi, qui insultent Allah devant toi, ça te devient d'emblée. Tu dis c'est grave, mais après tu commences à t'habituer et ça te devient une chose naturelle. C'est pour ça, si tu veux yani, patienter dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, fais comme dans ce verset. Reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Naam. Pourquoi ils invoquent leur Seigneur matin et soir? Naam. Ils désirent son visage. C'est pas Naam, j'ai un autre but. La dunya et la shohra et la... Moi, ça s'appelle hadik la shohra. Yani pour être connu, comment ça s'appelle la gloire et il y a un autre mot aussi, il y a un autre mot très, je ne trouve pas maintenant. C'est presque comme la renommée, jazakallahu khairan, la renommée. Non, ceux-là ne cherchent pas la renommée. Non, ceux-là cherchent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il ajoute quelque chose. Maalish, on va lire cette chose, même si ça n'a pas rapport avec le cours. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie sur terre. Naam. Et que tes yeux ne se détachent point de ce qu'on a cité maintenant. En cherchant le brillant de la vie sur terre. Hein, le brillant. Vous savez, quelque chose qui brille, ça ne dure pas. L'éclair, quand il brille, à quelques secondes, il part. Tout ce qui brille, naam, ne va pas durer. Il a dit, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur distrait ou inattentif à notre appel, et qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. N'obéis pas à qui? À celui dont nous avons rendu le cœur distrait ou bien inattentif à notre appel. Une personne pareille, il ne faut pas lui obéir. Non, si elle te dit viens t'asseoir avec moi, viens on va au cinéma, viens on discute un peu, viens. Non, je discute si
je vais te faire da'wa. Ou alors si on va parler de quelque chose d'important dans la vie. Hein, tu es maçon et j'ai besoin de toi pour construire la maison. Mais ce n'est pas pour parler des choses qui sont contre le dîn, des choses qui faiblissent, afoun. On ne va pas parler des péchés. Naam, car ça faiblit. Et toute personne, regardez ce verset, toute personne qui est distraite, qui a un cœur inattentif, c'est une personne qui suit sa passion. Allah Ta'ala a dit, qui a rendu le cœur inattentif à notre appel et qui poursuit sa passion. Et toute personne qui poursuit sa passion a aussi un comportement outrancier, qu'il le veuille ou pas. Ça lui suffit comme outrance qu'il n'adore pas Allah Azzawajal. Il n'y a pas plus grande outrance que cela. Le fait de ne pas adorer Allah Azzawajal, de ne pas prier, de ne pas yani, appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligé de faire. Non. On a cité ce verset, ensuite il a dit. Deuxièmement, il a dit, passe l'obéissance à Allah. On l'a dit hier, ce qui est très difficile. Ne pas faire des péchés. Non. Jeûner lundi, jeudi, c'est mashallah et beaucoup de gens le font. Mais ne pas faire des péchés, ça c'est, ne le font que les véridiques. Ne le font que les véridiques. Donc, patienter face à la désobéissance à Allah, c'est-à-dire se retenir de commettre des péchés. Refouler son âme des délices qui sont péchés ou qui peuvent conduire au péché. Non. Toujours, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Parce que des fois, on voit les gens autour de nous, on les voit en train de profiter de cette vie. Profiter, entre parenthèses, en train de faire des péchés, bien sûr, en faisant les péchés, il profite. Celui-là, il boit, celui-là, il danse, celui-là, il fait ce qu'il veut, celui-là. Alors le shaitan vient et insuffle en ton âme que, yani, lui, d'un côté, il est bien, il faut dire la vérité. Non. Il fait ce qu'il veut, il est libre, il chante, il danse. Non. Alors rappelle-toi vite quoi? Le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dunya, sijnul mu'min. La dunya, c'est la prison du croyant. Et le paradis du mécréant. Non. Alors dis-toi, c'est vrai, le prophète m'a averti. Et m'a dit, quand tu vas commencer à appliquer, hein, tu seras dans une prison. Car le prisonnier, comme vous savez, il n'a pas droit à tout ce qu'il veut. On lui donne une couverture et un oreiller, de temps en temps, lui donne à manger, à boire le matin et le soir, et ça suffit. Non, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est un prisonnier. Nous aussi, on est prisonniers. Et subhanallah l'adhim, nous avons choisi la prison. C'est nous qui l'avons choisi. Si j'avais voulu, hein, je ne serais pas rentré dans cette prison. Donc, je n'applique pas. Je suis libre, je fais ce que je veux, et ce que ma tête me dit, je le fais. Mais moi, j'ai choisi cette prison. Pourquoi? Parce que, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit, chaque âme, qu'elle soit une âme de musulman ou de kafir, non, doit passer par la prison. Seulement, elle choisit. Ou bien, c'est la prison de ce bas monde. Ensuite, quand elle meurt, c'est le paradis éternel. Ou bien c'est le paradis de ce bas monde, ensuite quand elle meurt, c'est la prison éternelle. Donc nous tous, kafir et mu'min, on doit passer par la prison. Seulement Allah Ta'ala t'a dit choisis. Tu veux une prison ici, qui passe vite. Tu fermes les yeux, tu as 50 ans. Tu fermes les yeux, tu as 70 ans. Elle passe vite. Si tu vis 70 ans de parenthèse. Et tu vas te trouver dans un paradis éternel. Ou alors, yani, rentre dans le paradis ici. Il y a un paradis ici, celui du kafir. Tu veux faire comme le kafir. Alors rentre dans ce paradis ici, paradis du mécréant. Fais ce que tu veux, amuse-toi, profite de la vie. Et quand tu meurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la prison, la grande, qui t'attend là-bas et peut-être éternellement, a'oudou billah, si la personne meurt kafir, a'oudou billah. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Naam. Donc, nous, quand on voit le kafir ici en train de
profiter, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se dire, yani, c'est logique. C'est logique qu'il fasse comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, yani, le paradis éternel. Naam. Donc, il faut au moins qu'il y ait un paradis ici. Quand même, il ne va pas avoir deux prisons, ici et dans l'au-delà. Ça ne peut pas marcher. Allah Ta'ala est juste et équitable. Il te donne, il lui donne ici, naam, le paradis, et il n'aura pas là-bas, yani, le paradis, il aura là-bas la prison. Et celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala donne ici une prison, il lui donne pas une deuxième prison. Allah Ta'ala est équitable, il lui donne là-bas un paradis. Donc, nous, quand on voit les kuffars faire ce qu'ils font, etc., yani, je ne dois pas être tenté ou là. Pourquoi? Parce que je marche avec. Non, ça, je le sais. Je sais qu'il doit profiter de la vie, qu'il a toute la vie, que Allah Ta'ala lui a donné tout, et les enfants, et les biens, et l'argent, et les dernières voitures sport, et ceci, et cela. Tout ça, je le sais. C'est pour ça que Allah Ta'ala, dans plusieurs versets, il dit, وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Non, faut pas être maghrour par cette vie. Ni تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. Ni la grande richesse ou là des coffres dans ta ville ou là dans ton pays. Il a dit, troisièmement, patienter face au décret d'Allah. Face au décret d'Allah. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la prison et le paradis. Donc, moi ici, dans cette vie, hein, comme a dit ici Cheikh, c'est-à-dire, il a dit, se retenir de commettre des péchés. Donc, à chaque fois que mon nefs veut faire un péché, je la maîtrise. Naam, je la maîtrise. Afdalul jihad, jihad al-nafs. Comme a dit le prophète sallam dans ce sens, il a dit, Mujahidu man jihad al-nafsa fi dhatillah. Naam. Donc, sinon, à chaque fois que mon nefs me demande quelque chose et je la laisse faire, donc c'est grave. Donc je suis devenu un animal, c'est l'animal qui fait tout ce qu'il veut. Mais moi non. Et deuxièmement, je suis un musulman qui a une charia, qui suit le Coran et la Sunna. Je suis ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit son prophète, alayhi sallam. Je ne suis pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Tout ce que je fais est calculé, mesuré, avant que je le fasse. Naam. Avant que je le fasse, avant de faire une chose, je me pose yani, mille et une questions. Naam. Est-ce que c'est halal? C'est makruh, est-ce que c'est conseillé, est-ce que c'est déconseillé ce que je vais faire, est-ce que ça attire le ravissement d'Allah ou bien la colère d'Allah, est-ce que ça fait plaisir au shaitan ou là ça lui fait pas plaisir, est-ce que ça mène au paradis ou là ça mène en enfer ce que je vais faire, et comme ça. Et le moins, troisièmement, alaykoum salam, rahmatullah, troisièmement, patienter face au décret d'Allah, c'est-à-dire que le musulman sache que toute chose qui lui est parvenue n'aurait jamais pu lui échapper. Et toute chose qui lui a échappé, il n'aurait jamais pu l'atteindre. Il n'aurait jamais pu l'atteindre. Et que toute chose qui lui est survenue n'est arrivée que par le décret d'Allah et ce que Allah Ta'ala a prédestiné. Naam. Et la patience est une lumière, comme nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, le prophète sallam a dit que la patience était une lumière. Naam. As-sabru ziya, comme ça il a dit, ziya, as-sabru, as-salatu nur. As-salatu nur, wa as-sabru ziya. Naam. L'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avant cela il a dit, c'est pour cela que la patience a été cité plus de 70 fois dans le Coran. La patience a été citée plus de 70 fois dans le Coran. L'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a cité pour preuve de ces quatre points essentiels la sourate Al-Asr, que nous connaissons tous, bien sûr, et que tous en apprennent, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc, c'est par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ils s'enjoignent mutuellement l'endurance.
l'imam Shafi'i rahimahullah a dit à son sujet. Naam. لو ما الله عز وجل حجة يعني على الخلق إلا الإخلاص صورة لكفتهم نعم عفوا مش الإخلاص إلا هذه الصورة لكفتهم si Allah Ta'ala n'avait révélé comme preuve aux créatures que cette sourate elle leur aurait été suffisante car cette sourate clarifie les deux voies et qu'il n'y a que deux voies la voie du bonheur et celle du malheur. Il n'existe pas de troisième voie. Pas de troisième voie. Il n'existe pas de voie intermédiaire. Naam. Et comme dit Cheikh Ibn Baz, tous les gens sont en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. C'est-à-dire ceux à qui Allah Ta'ala fait exception. Et en effet, tous les fils d'Adam sont perdants et sont sur la voie de la destruction, excepté ceux qui ont cru et fait de bonnes actions. Et se sont mutuellement recommandé la vérité, et se sont mutuellement recommandé la patience, ceux-là sont les gagnants et les bienheureux. La voie du bonheur et la voie du malheur ont été clarifiées. Ainsi, la recherche de la science, sa mise en pratique, appeler les gens à cette science et patienter face aux préjudices que l'on peut rencontrer sur le chemin de la da'wah, ceci est la voie des envoyés et des messagers. Naam. Attendez, on va voir s'il y a autre chose. Seconde. Cheikh Salah al-Sheikh Hafidallahu Ta'ala a dit, dans ce quatrième point, c'est-à-dire patienter face aux épreuves qui en découlent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « بعد الدعوة الواجب الرابع أن يتعلم الداعية الذي علم ثم عمل ثم دعا أنه يجب عليه أن يصبر. Il a dit, après la da'wa, la quatrième chose obligatoire, c'est que le prêcheur apprenne. Le prêcheur qui a appris et qui a pratiqué. Et ensuite, a fait la da'wa, a fait le prêche. Naam. Il a dit le quatrième point, c'est qu'il apprenne naam, à patienter. لأن سنة الله جل وعلا في خلقه أنه لم يجعل القبول حاصل للنبيين والمرسلين الذين في الخلق. Il a dit parce que la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création ou dans ses créatures, c'est que il n'a jamais. C'est-à-dire les messagers, les prophètes, Allah Ta'ala, eux, yani, qui ont ce statut très élevé, et ne leur a pas yani, donné, disons, la facilité et l'acceptation. La facilité dans la da'wah et l'acceptation des gens. Vous savez qu'il y a des nabis qui ont fait la da'wah et personne ne les a suivis. Il y en a qui ont été suivis par un, par deux, par dix, et il y en a par personne. Yom al-Qiyamah qui va venir tout seul, un nabi tout seul, subhanallah al-Azim. Il a dit, bel idda al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, il a dit, même notre prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, umira bi an yahtadi ahad as-sabirin. Même notre prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, il a dit, on lui a donné l'ordre de suivre yani, la voie et yani, des patients, de ceux qui patientent. C'est-à-dire, il a dit de les prendre comme modèle. Et ceci, lorsqu'il a dit dans le Coran, il a dit, c'est toujours ce verset, une seconde. C'est pas celui-là. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Fasbir kama sabar ul azmi min al-rusul. Naam. C'est pas celui-là, une seconde. Fasbir kama sabara. Voilà le verset. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Naam. Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité. Et si ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. Naam. Une seconde. Naam.
Même je remarque ici que ce n'est pas le même verset, parce qu'en arabe c'est 56 et en français c'est 57, donc ce n'est pas celui-là. Jazakallahu khairan. Endure Muhammad. Donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Naam. C'est celui-là. Jazakallahu khairan. Donc, endure. Ya Muhammad. Naam. Endurer les messagers doués de fermeté et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Endure comme qui? Comme les messagers qui t'ont suivi et ceux qui sont doués de fermeté. Ulul Azm, les cinq, vous connaissez tous. Et il faut pas trop, yani, se hâter de vouloir voir c'est quoi, yani, quand est-ce qu'ils vont être châtiés. C'est quoi leur punition. Naam. Le résultat, il ne faut pas beaucoup l'attendre. Quand on fait la da'wa, le résultat, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tu vas dire un mot aujourd'hui et tu vas croire que ce mot est rentré par une oreille et il est sorti par l'autre. Alors que la phrase que tu viens de dire, naam, la personne, ça va commencer à lui travailler doucement, 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 doucement. Et après une année, elle va faire tauba. Non. Tu as, en disant cette phrase, tu as fait un déclic dans son cœur. Mais ça ne vient pas vite le résultat. Ça peut rester une année ou plus. Non. Et des fois, on fait da'wa à une personne et on meurt. Non. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et cette personne, après notre mort, va être guidée de notre cause. Et on ne sait pas. Non. Et la même chose pour le châtiment. Naam. Faire des choses mauvaises, insulter l'islam, insulter ceci. Naam. Et puis, tu vois qu'il n'y a pas de châtiment. Il faut pas te hâter. Ce n'est pas toi qui commandes. Ce n'est pas nous qui régissons l'univers. Cet univers a un seigneur, un Rabb. Un Rabb très, yani, qui a beaucoup de quoi? Beaucoup de hikma. Naam. Très sage, sagesse. C'est lui seul qui sait et décide quand est-ce qu'il doit donner la punition ou bien la retarder jusqu'à la fin de la vie de cette personne, lui donner un cancer, ou bien ne pas lui donner la punition du tout dans ce bas monde. Il la laisse dans l'autre monde. Ça, c'est plus grave. Quand Allah Ta'ala laisse une punition pour l'au-delà, c'est vraiment très grave, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique. Il a dit quand Allah Ta'ala veut du bien à une personne, il lui donne la punition ici. Naam. Quand il veut du mal à une personne, il a dit, Abdi Naam, il a dit, il le laisse, yani, avec sa punition jusqu'à ce qu'il le rencontre yom al-qiyama. Il le laisse avec son péché, hein, il lui donne pas de punition jusqu'à ce qu'il le rencontre yom al-qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Naam. Yib, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Cheikh Salah al-Sheikh dit, hafidhahullah ta'ala, dit, hein, et lorsqu'il a cité le verset en dur, il a dit, fais sabr, muhimmat liman, alima fa'amila fada'a, yahtaji an yasbir. Il a dit, celui qui ensuite a pratiqué, ensuite a fait la da'wa, a besoin de patience. Fa'innam yasbir, kana min alladina. Il a dit, s'il ne patiente maintenant, il rentre dans le verset que je vais citer maintenant, parce que Allah Ta'ala a dit, Fasbir, inna adallah haqq, inna adallahi haqq, wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. C'est-à-dire, sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité, et ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. Ça veut dire que celui qui ne patiente pas a été ébranlé. Si tu ne patientes pas, ça veut dire que tu as le cœur ébranlé et tu t'ébranles facilement. C'est pour ça qu'il lui a dit attention que tu t'ébranles. Patiente et yani, ne crois pas fermement yani, à ce qui ébranle. Une seconde. Ensuite, il a dit وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَجَرَ فَقَالَ. Ensuite, il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام يعني حذر مي اون غارد سي كومبانيون كونتر
Yani le fait de vouloir se hâter, l'ajala, et de vouloir se précipiter. Il a dit, walakinakum à la fin des hadiths. Mais vous êtes yani, des gens qui se hâtent. Il a dit, ces quatre choses ici, ces quatre points qu'on vient de citer, c'est obligatoire de les prendre et de les pratiquer. Il a dit l'ilm ou l'amal ou da'wa ou sabr. Il a dit la science, la pratique, la da'wa et enfin la patience. Et enfin la patience. On va terminer avec une chose. Inch'Allah ta'ala, on va terminer avec une chose. Une seconde. On va terminer avec ce qu'a dit Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, dans le quatrième point. Il a dit, le quatrième point est de patienter face aux persécutions qui en découleront de cet appel. Être persécuté pour Allah Azzawajal est inévitable. Écoutez bien, être persécuté. Naam, pour Allah Azzawajal. Pour Allah Azzawajal, il a dit, c'est inévitable. C'est-à-dire, ça doit arriver. Subhanallah l'adhim, c'est inévitable. Néanmoins, ces persécutions sont parfois légères et parfois terribles. Voilà. Yani, être persécuté, on te fait du tort, du tort à cause de la dawa, ça doit arriver. Tu le veuilles ou pas, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reste que quoi? Ces persécutions, des fois, yani, ne sont pas graves, sont légères, mais des fois sont terribles. Dans tous les cas, nous devons y faire face avec patience et sans s'angoisser. Contrairement à ces gens dont Allah azzawajal nous informe, qui se sont angoissés face aux persécutions, puis Allah Ta'ala a dit dans le Coran, dans l'Ankabout 10, il a dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, écoutez bien ce qu'il a dit. Parmi les gens, il en est ceux qui disent, nous croyons en Allah. Ils les fait souffrir pour la cause d'Allah, c'est-à-dire une épreuve. Ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. S'il vient du secours ton Seigneur, il dira en certes, nous étions avec vous, El-Mohim. Ce qui nous intéresse, c'est le châtiment d'Allah. Donc, parmi les gens, il y en a des gens qui disent quoi? Nous croyons en Allah, alhamdoulilah, je fais la da'wah, je fais ceci, mashallah. Puis si jamais, il y a une épreuve, naam, que peut-être on va, problème à cette personne. Peut-être même qu'on va l'emprisonner ou le torturer ou pour la cause d'Allah. Il va considérer l'épreuve de l'Allah comme un châtiment d'Allah. Ici, comme un châtiment d'Allah, c'est pas dans le sens que c'est yani le même châtiment, non. C'est-à-dire que comparé au châtiment, subhanahu wa ta'ala, vous savez cela. Personne ne peut dans ce monde faire yani, un châtiment plus grand, plus terrible qu'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des gens qui, juste une petite chose, en Allah azzawajal, et pour lui, yani, peut-être qu'il préfère le châtiment d'Allah que cette chose. Tu dis, c'est que cette chose, cette épreuve, elle est grande, c'est comme le châtiment d'Allah. Or, ce n'est pas vrai. Ce qui arrive dans ce monde, surtout si c'est pour le visage d'Allah, jamais, au grand jamais, ne peut égaler le châtiment d'Allah. Il a dit, et ses enseignements sont conformes à ceux qui peuvent être tirés de la sourate Al-Asr. Et il a cité sourate Al-Asr. Voilà pour aujourd'hui. Donc on va, inshallah ta'ala, dans quelques instants, et on est commencé par les questions d'hier, inshallah ta'ala, et ajouter les questions d'aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc avant de commencer, est-ce qu'il y a une personne avec nous qui s'appelle Ahlam, Ahlam Ahmed? Est-ce qu'il y a cette sœur avec nous? Sinon, commence, inshallah ta'ala, la première question, le temps qu'elle nous réponde. Tfadl. Madame Cher, vous m'avez rappelé une chose. Il y a 2 jours, à peu près, j'ai repensé à une question qui vous a été posée
Je ne sais pas si vous avez eu la réponse sur les poissons et tout ce qui vit dans l'eau douce par rapport à sa consommation. Vous deviez vous renseigner. Est-ce que vous avez eu cette réponse? Et la personne qui avait posé la question sur les achats après Noël m'a relancé il y a 2 jours. Savoir si vous avez eu la réponse. Tfadachir. Pour Noël, je n'ai pas. Par contre, pour ceux qui vivent dans l'Oussébé, Rahim Allah dit. Il a dit, tout, disons, tout animal ou tout poisson, quelque chose comme ça, Nam, qui ne vivent que dans l'eau. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit, si on le trouve mort, c'est permis de le manger. Bien sûr, entre parenthèses, à moins qu'il ne soit, yani, comment dire, qu'il soit, yani, attendez, je cherche, empoisonné ou pourri. Pourri. Celui-là, on ne mange pas. Donc, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, tout poisson et tout animal qui vit dans l'eau et qui ne sort pas de l'eau se mange même mort. Et il a dit que ça soit, comme ça il a dit, que ça soit l'eau de mer ou l'eau des lacs et des rivières. Il a dit c'est la même chose. Par contre, si un animal vit un peu dans l'eau et un peu dehors, dans l'eau et sur terre, dans ce cas, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit on ne peut le manger que quoi? Que si on l'égorge. Non, si cet animal se mange, on ne le mange que s'il s'égorge. Ça, c'est dans le cas où il se mange. C'est un peu comme quoi? C'est un peu comme le crocodile. S'il se mange, il doit être égorgé. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu dedans. Car il y en a qui ont dit que le crocodile se mange, et il y en a qui ont dit qu'il ne se mange pas. Non. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit que le crocodile se mange. Qu'est-ce qu'il a dit? Le canard. Le canard. Je vais le canard. Le canard. Jamais, non. C'est pas ça l'eau. L'eau, c'est ça veut dire il rentre. Voilà, l'eau, il rentre, il vit sous l'eau. Non, il vit sous l'eau. Voilà. Tayeb, pour la, Inch'Allah, deuxième question. Ah, cher, ils vous ont répondu que Mohamed était présente. Je dis que cette soeur et son mari, cette soeur qui est une reconvertie et son mari, sont maintenant au Maroc, dans la ville de Azmoun ou Amzoun, quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai oublié la ville Hadi. Naam. Et qu'ils se plaignent là-bas qu'ils ne connaissent pas de salafis. Et qu'ils voudraient, s'il y a des frères ou des sœurs, qui voudraient rentrer avec eux, avec elle et son mari, pour éventuellement faire des connaissances, etc. Et qu'ils ont, ce couple-là, a l'intention d'aller vers Agadir. On lui a dit que Agadir, c'est plein de salafis. Si c'est possible, la sœur dit, s'il y a des gens, par exemple, d'Agadir qui peuvent nous contacter, Naam, à Tikiwin, Naam. Et quand vous savez que quelqu'un qui est salafi, c'est très difficile pour lui de vivre dans un endroit où il n'y a pas de salafis. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il s'étouffe. Il va s'étouffer. Naam, il n'y a pas d'air, il ne peut pas respirer. Par contre, quand il est dans une petite ville ou là entouré de salafis, il trouve que c'est comme un poisson qui est dans l'eau. Maintenant, un poisson, quand on le sort de l'eau, il veut étouffer. Donc maintenant, s'il y a des frères qui veulent contacter son mari, qu'ils me contactent. Je leur donne son mail à lui. S'il y a des sœurs qui voudraient contacter cette sœur, qu'ils me contactent. Je leur donne son mail à elle. Tfadal pour une autre question. Sacha, j'avais entendu du côté d'Agadir qu'il y avait des frères et des sœurs du Minhaj. Et je connais un frère, son cousin est là-bas. Je demanderai, Inch'Allah, s'il y a possibilité d'avoir des renseignements. Je me renseignerai, Inch'Allah. Donc, première question, cher. En fait, je fais chaque fois des rappels à mes frères sur la prière et sur le fait de regarder des films, séries, etc. Mais ils ne m'écoutent pas et ils changent de sujet. Dois-je continuer? Fadal Sher.
Naam, à chaque fois que c'est possible de le faire sans t'ébranler. Naam, tant que je peux, je fais. Pourquoi? Des fois, quand je fais la dawa, ça tombe pas dans un moment où le cœur est prêt à accepter. Des fois, je fais la dawa à quelqu'un dont le cœur est distrait et inattentif. Ça donne rien. Mais des fois, ça va coïncider avec un cœur, disons, qui a envie d'écouter, un cœur qui, si je puis dire, sera vite influencé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la par l'exhortation. C'est pour cela que le musulman ne doit jamais dire j'ai fait dawa et ça marche pas donc j'arrête. Jusqu'à ce qu'ils te disent arrête, on n'a plus envie d'écouter. Et encore, même s'il me dit et puis si c'est mon fils, malgré cela, yani je peux parler. Naam, tfadal. Question suivante. Concernant la patience, une sœur peut-elle imposer à un prétendant pour le mariage qu'il ne prenne pas une autre femme, car la sœur affirme qu'elle ne pourra pas patienter sur ce point? Cela rentre-t-il dans le manque de confiance envers Allah et le refus du qadr? Tfadal, cher. Par rapport à la réponse à cette question, il y a une divergence entre ceux qui ont permis de mettre cette condition et ceux qui ne l'ont pas permis. Je vous cite l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Cheikh Ibn Uthaymeen, vous savez qui il est. Il a dit dans son livre, Sharh al-Mumti', il a dit que c'était permis à la femme de mettre comme condition à son futur mari de ne pas se marier après elle. Il a dit. Après elle, c'est-à-dire après le mariage. Il a dit, si jamais il accepte cette condition et se marie, ils vont se marier, et lui va se remarier avec une autre, il a dit, elle a le droit donc d'annuler son mariage, sans avoir besoin, yani qu'il fasse le divorce. C'est ça l'avantage de mettre une condition. Donc, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah et ta'ala. Et ça n'a rien à voir avec quoi? Ça n'a rien à voir avec le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce qui est permis ne se contredit jamais avec le qadr. Allah ta'ala qui a créé l'être humain sait que, et c'est lui qui l'a créé, donc il sait que, yani, se remarier ou prendre une coépouse, ça fait quoi? Ça fait de la tristesse dans le cœur de la première. C'est pour ça qu'en arabe, comment s'appelle la deuxième? Elle s'appelle Dora. Certains dora du bien, ça vient du mot dor. Dor, ça vient mal, tort. Tort, mal. Pourquoi? Parce que elle a mal, elle a toujours mal. Est-ce que vous connaissez une coépouse qui est contente? Ou une épouse qui est contente quand son mari va prendre une coépouse? C'est très rare. Très rare. Et la plupart, celles qui acceptent, ils disent non, c'est rien, alhamdoulilah, et sunna ikda, et mashallah, elles sont peu. Mais, yani, la plupart, qaddarallahu ma sha fa'al, regrette par la suite. Peut-être parce que le mari, quand il va prendre la deuxième, il va pencher toujours beaucoup plus vers la deuxième que la première. Parce qu'elle est nouvelle, la deuxième, peut-être qu'elle est plus jeune, peut-être plus belle, peut-être ceci, donc elle va le séduire, donc il va plus ou moins oublier la première, donc elle va regretter et dire, même si j'avais su, je l'aurais pas laissé se marier, ceci et cela. Et j'en connais au moins deux. Il n'y a plus de son cher. Naam, des fois je perds le micro et j'ai des difficultés pour le reprendre. J'espère que ce n'est pas de la contagion. Naam, donc, qu'est-ce que je disais exactement? C'était quoi le dernier mot? C'était quoi le dernier mot? Sinon, on passe, inshallah ta'ala, donc à une troisième question. Donc, on est deux qui ont insisté à ce que leur mari prenne une deuxième. Ensuite, les deux, ont vraiment regretté. L'une des deux a pensé même au suicide. Et l'autre, la deuxième, a voulu yani, soutirer une fatwa pour le divorce, pour qu'elle divorce. Alors que c'était elle qui disait, je dois marier mon mari. Donc tout cela pour dire que yani, ça, c'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une permission que Allah ta'ala a permis à l'homme de se marier avec 2, 3, 4. Mais je dis que ce n'est pas facile pour une femme. Naam. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ramla, Habiba, lui a dit, qui est son épouse, Naam, pourquoi tu te maries pas avec ma soeur? Pourquoi tu te maries pas avec ma soeur? Il lui a dit,
Awa tuhibbin Ibn Hajj al-Asqalani a fait un commentaire, a dit, si le professeur lui a dit, c'est-à-dire est-ce que tu veux, tu acceptes. Il a dit ça, il a dit on sait ton nom. Il a dit car, yani, ça n'existe pas peut-être dans la vie, yani, une femme qui accepte et qui veuille. Il a dit même le professeur s'est étonné. Il a dit, Awa tuhibbin yani, tu veux que je me marie avec une deuxième? Et bien sûr, elle lui a acquis, elle lui a acquis sa soeur. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'il se marie avec ma soeur en co-épouse. C'est mieux que de prendre une étrangère. Au moins, c'est ma soeur, on peut se. Comment dirais-je? On peut être en bon accord. C'est pas comme avec une étrangère. Et bien sûr, vous allez dire comment elle lui propose sa soeur, alors qu'en islam, c'est interdit de se marier avec deux soeurs. La réponse, vous l'aurez connue, très simple. Elle ne savait pas que c'était interdit d'épouser deux sœurs. Que c'était interdit d'épouser deux sœurs. Non. Tfadl. Très. Ibrahim Abou Fouzen dit en même temps. Très bonne remarque. Très bonne remarque. C'est interdit d'épouser deux sœurs en même temps. Et ce n'est pas. Ce n'est pas quoi? Et ce n'est pas quand elle meurt. Mais plutôt en même temps, c'est interdit d'avoir deux sœurs. Yani, dans la même union. Yani, en même temps, je suis marié avec celle-là, et en même temps, je suis marié avec sa sœur. C'est pour cela que, snap une seconde. Non, c'est pour cela que, est-ce que vous m'entendez, écrivez numéro 1. C'est pour cela que, si jamais on vous pose cette devinette, car il y a des devinettes, comme dit Cheikh Ben Othaymine, devinettes en islam. Il a dit, si jamais, moi je vous dis, si jamais on vous pose cette devinette, on vous dit quand est-ce que l'homme, voilà le verset, ou un tijma ou bien ukhtayn, que vous groupiez entre deux sœurs, sauf ce qui a précédé. Illa maqad salaf. Si jamais on vous pose cette devinette, on vous dit quand est-ce que l'homme doit avoir une période de viduité pour se marier? Vous savez que l'homme n'a pas de période de viduité. Une femme, quand elle divorce, ou bien son mari meurt, elle ne peut pas se marier jusqu'à ce que passe la période de viduité. Quant à l'homme, non. Si un homme, son épouse, décède le matin, il peut se marier l'après-midi. Vous savez ça. Elle décède à 10 h. À 10 h 1 minute, il peut se marier. Pourquoi? Parce que comme il pouvait se marier quand elle était vivante, donc il peut se marier aussi quand elle meurt. Et encore, c'est plus facile quand elle meurt. Donc l'homme n'a jamais de période de viduité. Si jamais on vous pose la question, quand est-ce que l'homme, ou citer un cas où un homme ne peut se marier qu'après la période de viduité? Réponse, c'est quand quoi? C'est quand il veut se marier avec la sœur de son épouse qu'il a divorcée ou qui est morte. Voilà. Si maintenant un homme est marié avec une femme, ensuite il a divorcé, ensuite il veut se marier avec sa sœur, non, il peut. Il ne peut pas tant que sa sœur l'a divorcée et est en période de viduité. Il faudrait qu'elle termine sa période de viduité, comme ça il peut prendre sa deuxième sœur, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl. Question suivante, question d'un frère. Mes chers, qu'Allah Ta'ala vous accorde une longue vie dans son obéissance et vous accorde Al-Firdaous ainsi qu'à votre famille. Je suis une sœur reconvertie, divorcée, vivant chez ma mère, qui n'est pas musulmane, qu'Allah la guide. Lorsque je suis retourné vivre chez elle, elle m'a demandé de trouver un travail et c'était la condition pour que je puisse rester vivre chez elle. Je suis parvenu à trouver un travail où je garde mon jilbab charaï. Je peux prier alors, alhamdoulilah, car mes patrons sont musulmans. Seulement, je suis amené à parler par téléphone ou à l'accueil avec des hommes étrangers. Cette situation me pèse énormément, car je ne me sens pas à ma place. Je rêve de pouvoir rester dans mon foyer. Que dois-je faire? Arrêter cet emploi et risquer de gros problèmes avec ma mère, sachant qu'en France, il me sera très dur, très difficile de retrouver un travail en djilbab. Que me conseillez-vous? Barakallahu fikoum ya cheikh, ahsanallahu ilaykoum. Tfadal cheikh. Une seconde, je suis en train de lire parce que le début m'a échappé. Est-ce que vous m'entendez? Non. Gardez.
Et le contact avec cette sœur, j'aurai besoin d'elle après. On passe à Allah Ta'ala une autre question. Une autre question, tafadhal. Question suivante. Donc c'est par rapport au cours d'hier, cher. Hafizakum Allah, est-ce que celui qui veut fuir le haram, mais qui est obligé de le côtoyer tout le temps car il vit en pays mécréant, est concerné par cette patience? Je précise qu'il ne l'agrée pas, mais est forcé d'y être confronté, et avec ses yeux et ses oreilles, en voyant tout cela tout le temps et souvent. Tfadal, cher. Si c'est possible de recommencer, il y a des mots que j'ai pas entendus. Non, mais je voulais coller, cher, la question. Est-ce que celui qui veut fuir le haram, mais qui est obligé de le côtoyer tout le temps, car il vit en pays mécréant, est concerné par cette patience? Je pense qu'il ne l'agrée pas, mais est forcé d'y être confronté, et ses yeux et ses oreilles en voyant cela tout le temps et souvent. Je dis, Wallahu ta'ala alam, celui qui vit dans un pays de kuffar, ou bien il a l'intention de quitter ce pays et il veut vivre là-bas avec les kofars. Maintenant, s'il veut vivre avec les kofars, ça c'est autre chose. Il n'est pas excusé pour ce qui lui arrive, Annie, comme ce qu'il voit le haram, etc., etc. Maintenant, si son but c'est de partir, ou bien qu'il n'a pas les moyens, ou bien que Yani, il est contraint, il est coincé, si je puis dire. Il n'y a pas où faire la hijra, il connaît personne, il n'a pas d'argent, il n'a rien. L'intention est dans le cœur, mais il n'y a pas comment. Dans ce cas, bien sûr qu'il doit patienter, comme tout le monde. Et dans ce cas, Yani, sa patience est vraiment Yani, pleine de récompenses. Pourquoi? Parce que celui qui est entouré de péchés et patiente a beaucoup plus de récompenses que celui qui n'est pas entouré de péché, qui n'a pas une grande fitna et qui patiente. Car plus yani, il y a de difficultés et plus les temps de patience sont grands et les patients. Et on patiente, alors plus on a de récompenses. Reste seulement le problème, est-ce que cette personne a les moyens de partir, mais veut rester là-bas, ça c'est difficile et c'est grave. Ou bien, comme j'ai dit, n'a pas les moyens ou ne peut pas, est coincé là-bas. Et dans ce cas, inshallah ta'ala, elle aura beaucoup de récompenses, car elle est entourée de fitna et de péchés, de tentations et de passions. Mais malgré cela, pour Allah subhanahu wa ta'ala, quoi, yani, elle fait le djihad à son nafs et se retient et reste yani, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadhal. Naam. Une question suivante. Cher qu'Allah vous récompense pour votre propagation de la science, qu'il accroît votre science et la nôtre aussi. Je voulais savoir quelle est la technique ou quels sont les conseils pour apprendre le livre des trois fondements en français, car je ne parle pas l'arabe. Et je voulais savoir s'il faut apprendre le résumé d'un savant ou juste les trois fondements de Mohammed ibn Abdel Wahhab sans les commentaires. Barakallahu fikoum. Fadashir. Non, ce qu'il faut apprendre, si c'est possible, c'est juste le fondement, les fondements. Mais comprendre le commentaire. À quoi ça sert que j'apprenne le fondement si je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire? Mais j'apprends le fondement, comme ça, quand je parle avec des gens, par exemple, et je veux donner une preuve ou la argumenter, je donne la phrase du fondement qui est conforme avec ce que je veux dire. Mais il faut que je connaisse que veut dire ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il faut que je connaisse le commentaire sans l'apprendre. Sans l'apprendre. Tfadhal. Question suivante, question d'une sœur qui dit: je suis une sœur salafia de 29 ans, de France. Un homme du Maroc m'a demandé en mariage. Il a une grande pratique et un très bon comportement. Il répond à tous mes critères, mais les gros problèmes, c'est qu'il ne se revendique d'aucun minhaj. Il écoute tous les savants et prédicateurs sans boycotter qui que ce soit de peur d'être injuste. Je l'ai conseillé, mais il persiste à défendre Saïd Qutb, Mohamed Hassan, etc. et reste sur sa position. Le fait que l'on diverge sur cette question ne le dérange pas. Il veut m'épouser, mais moi si, donc là il doit manquer quelque chose. Mon entourage me rappelle sans cesse mon âge et me met la pression pour l'épouser, et espère que je le ramène en France pour travailler et ensuite faire hijra.
Ma mère est malade et mon refus de cette personne la rend encore plus malade. Je suis sous pression et je commence à être envahi de doutes. Surtout dans ma ville, je ne connais aucun salafi de mon âge. Que me conseillez-vous, cher, et comment affronter cette pression psychologique quotidienne? Jazakumullah khayran, el jaza fi dunya wal akhirah ya cher. Tfadal cher. Elle a dit que cet homme répondait à ses critères, sauf que, il a ceci et cela. Non. Et ce qu'il a ceci et cela, elle a cité des choses graves. Elle a cité quoi, par exemple? Qu'il défendait ses yétrotes. Or, défendre ses yétrotes, c'est vraiment très grave. Car celui qui défend ses yétrotes, ça veut dire qu'il ne le connaît pas. S'il ne le connaît pas, il est plus ou moins excusé. Ou bien il le connaît et le défend. Et il sait quels sont les égarements qu'il a. Et que tous les khawarij d'aujourd'hui, c'est à cause de ces yétrotes qu'ils sont là. Les khawarij contemporains maintenant. Tous ceux qui sont kharijites, c'est à cause de ces yétrotes, comme ça disent les savants. Pourquoi? Parce que ils ont été influencés par ce qu'il a dit dès l'Al-Qur'an et son livre Ma'alim fi Tariq, les jalons sur la route, et Jahiliyat al-Qarn bon Jahiliyat al-Qarn c'est son frère, Mohamed Qutb, et comme ça. Donc, vraiment, se marier avec quelqu'un. Si elle avait dit Mohamed Hassan, malgré que, yani on se désavoue de son minhaj, mais quand même, il ne faut pas le mettre au même statut que ses yétrotes. Il faut pas le mettre au même statut que ses yétrotes. Mais ses yétrotes, c'est vraiment, yani, comment on dit, l'égarement total. Il critique même Moussa alayhi salam, ses yétrotes. Il critique même Moussa alayhi salam. Et même Othman ibn Affan. Et je crois Mouawiya, si j'ai une bonne mémoire. Non. C'est pour cela, si au moins, comme avait dit la sœur, elle a bien parlé au début, ça m'a apaisé le cœur quand elle a dit que il ne se proclame d'aucun minhaj. Maalish. Il ne se proclame d'aucun minhaj, maalish. Et petit à petit, je lui apprends le minhaj, le vrai, salaf. Mais là, il défend cela, ça veut dire que déjà, il s'est proclamé du minhaj des Ikhwan. Non, sans le dire, sans dire je suis Ikhwani. Quand je te dis moi j'aime ces trois, mais je le défends et j'aime X et Y et le Qardawi et je ne sais qui, ça veut dire que je suis des Ikhwan. C'est pas la peine que je le dise. C'est pas la peine que je le dise. Non. Maintenant, si cette personne était faible dans le dîn, tout juste y en est prié et même si fumer la cigarette, non, tout juste prier, mais c'est quelqu'un de sérieux, sérieux dans la vie familiale, qui travaille, vient le soir à la maison, mais y a beaucoup de choses qu'il fait pas. C'est beaucoup mieux que cette personne-là. C'est beaucoup mieux que cette personne. Comme a dit Cheikh Ibn Outaymiyyah rahimahullah, il a dit, c'est possible, non, de se marier avec un pervers. À condition que la perversité ne soit pas dans la zina. Il a dit comme ça. Car une femme célibataire, c'est grave. C'est grave pour elle. Elle risque de mourir sans laisser la trace. Ni enfant, ni rien. Ensuite, n'étant pas mariée, elle ne va pas donc se préserver. Préserver sa chasteté. Donc elle risque de tomber dans les fitnas. Car c'est un être humain comme tout le monde qui a besoin de beaucoup de choses. Naam. C'est pour cela que se marier pour une femme, peut-être c'est plus important que pour un homme. Alors que pour un homme aussi c'est la même chose. Mais c'est très important pour une femme. C'est pour ça que Cheikh Ibn Outaymiyyah rahimahullah a dit, même si elle se marie avec un pervers, ça ne fait rien. L'essentiel c'est qu'elle se marie. Ensuite, minhaj, pas minhaj, ça viendra. Non. Ensuite, même si ça ne vient pas, l'essentiel, alhamdoulillah, moi je suis dans le minhaj, il me laisse à la maison apprendre, il ne fait pas de mashakil. Lui, il a... Je ne sais pas, peut-être il regarde sa télé ou son football ou je ne sais pas quoi, il me laisse tranquille. Il me laisse apprendre mon dîn, il me laisse me rencontre, je me rencontre avec les sœurs, j'entends des cours, et comme ça. Non. Par contre, quand on va se marier avec quelqu'un de si étroit, etc., ça va être très difficile quand vous allez parler dans le dîn. Très difficile. C'est des disputes. Non, des disputes. Comment tu dis de si étroit, c'est un égaré. Alors que tous les savants maintenant, les grands, tous, sont. Sans exception, disent c'est un égaré, grand égaré, égaré, égareur. Égaré, égareur, il a égaré beaucoup de gens. Même s'il n'a pas fait exprès, mais il a égaré. Donc,
Tant que toi tu vas dire à ton mari s'il trouve c'est un égaré égareur, il va dire c'est pas possible. Il peut te frapper, il peut je ne sais quoi. Fais ce que je dis, à la fin je peux pas dire à cette soeur ne te marie pas, peut-être elle est en train de se marier, elle a peur, ceci, cela. Je dis deux choses. Quiconque délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le compense. Il lui donne mieux que cela. La première. Et la deuxième, fais beaucoup salat istikhara. Fais salat istikhara. Et si cet homme ne te convient pas, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre comme yani quelque chose dans ton cœur pour que tu détestes ce mariage et que tu n'aies pas envie de cet homme. Non. Et si jamais tu as fait la salat istikhara et que tu t'es marié, alors sache que Allah ta'ala veut ce mariage et que quoi? Et que peut-être cette personne, inshallah ta'ala, va se corriger et va devenir masha'Allah à la fin. Car nous, on ne sait pas. Il se peut que, en se mariant avec cet homme, il se peut que lui, il devienne masha'Allah et que la sœur dérive. A'oudou billah, on ne sait pas. Personne ne connaît ce qui peut se passer demain. Fais beaucoup salat istikhara, naam, car c'est permis de la faire deux ou trois fois. Comme l'a fait Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a voulu détruire la Kaaba, il l'a fait trois fois. Al-Muhim, il fait beaucoup de doigts. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit en toi la sincérité et dans ton cœur du bien, il va te guider, bi'idhnillahi ta'ala, à la meilleure des deux choses. À la meilleure des deux choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et te fasse une solution qui te ravirait de bonheur. Tfadhal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Cher, nous avons parlé du fait d'appeler les gens à l'islam et de profiter des assises exceptionnelles pour le faire. Je suis invité prochainement chez une amie et elle m'a demandé de faire un rappel aux sœurs qui seront présentes, Inch'Allah. Que me conseillez-vous de dire ou de lire comme écrit à ces sœurs et moi-même? Car je ne sais pas trop comment m'y prendre. Pouvez-vous me conseiller? Wa jazakumullah khairan. Tfadal, cher. Elle a dit des sœurs, elle veut dire par là des sœurs, bien sûr, c'est-à-dire dans le dîn, bien sûr. C'est-à-dire, elle va se trouver assise avec des sœurs. Non. Maintenant, il faut savoir d'abord quel est le niveau de cette sœur. Premièrement. Deuxièmement, quel est le niveau de celles qui vont venir. C'est pour cela que je donne un exemple, ça c'est un exemple. Moi, quand quelqu'un vient et me dit, est-ce que jeudi prochain, vous pouvez venir chez moi, on va faire comme ça une assise, je vais inviter des gens. La première des choses que je vais lui dire, c'est quoi? Quels sont les gens que tu vas inviter? C'est quoi leur niveau? Dans quel minhaj ils sont? Naam. Quel genre ils ont? Naam. C'est quoi leur problème? Pour que yani, je prépare en fonction des problèmes de ce genre, pour pouvoir avoir influence sur leur cœur, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc, c'est comme disent les savants, yani chaque chose, ou là, chaque endroit, a une assise spéciale et une parole spéciale. Et comme on dit en arabe, les kulli maqamin, maqal. Les kulli maqamin, maqal. Par exemple, quand on invite quelqu'un dans un mariage, et qu'on lui dit, par exemple, de faire comme ça, et de faire une petite exhortation, comme on a demandé ici à la sœur, ça ne serait pas de la sagesse de parler, par exemple, par exemple, du châtiment de la tombe. Non. Les gens, ils sont yani, joyeux, ils sont gais, ils veulent entendre quelque chose. Moi, maintenant, dans le mariage, je vais leur parler de la tombe. Non, mais du châtiment de la tombe. Déjà, même le marié, peut-être qu'il va pas faire la nuit de noces. Il va s'enfuir dans une forêt. Il va dire, moi, il m'a fait peur, je vais dans la forêt passer la nuit tout seul. Donc, ce n'est pas comme ça. Et le contraire aussi est valable. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vient de perdre un proche, là, et que maintenant, on se trouve ensemble dans, je ne sais où, dans un là, et on m'a demandé de parler. Je ne vais pas parler, par exemple, du mariage. Quelles sont les règles du mariage? Alors qu'il y a plein de gens qui sont avec moi ici, très tristes et avec un cœur déchiré. Moi, je vais leur parler de le mariage et la nuit de noces. Comment on doit passer ça? Vraiment, Yanné, ça, ce n'est pas de la sagesse. Donc, je demande à cette sœur si elle a un bon niveau
de demander yani, quelles sont celles qui vont venir pour savoir s'il y a parmi elles celles qui se proclament des frères musul des sœurs musulmanes, s'il y a parmi elles celles qui sont des soufis, ou il y a des sœurs qui sont des khawarij, parce qu'en France c'est plein de khawarij, même des sœurs takfiri, etc., pour savoir ce que je dois préparer bi'idhnillahi ta'ala. Non. Si maintenant les sœurs sont normales et elles n'ont pas beaucoup de niveau, elles sont simples et elles font partie des... J'essaye de prendre par exemple avec moi une petite risala de Cheikh Ben Othaymine par exemple, qui parle sur par exemple les piliers, quels sont les six piliers de la foi, et de lire ce qu'a dit Cheikh Ben Othaymine, car ça existe le livre en français. De lire comme ça, yani par exemple les piliers comme ça, très vite. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Ma question porte sur la Nasiha. Cher, cela fait 13 ans que je conseille mon mari sur le fait d'apprendre sa religion et de délaisser ses passions ainsi que ses péchés. Mais il ne m'écoute pas. Je suis arrivé au stade où je ne lui donne plus aucun conseil, même pour ses prières. Que me conseillez-vous de persister dans la Nasiha ou de le délaisser et il comprend? Et il comprendra un jour tout seul. Barakallahu fikoum, cher. Tfadal, cher. La nasiha entre nous, normalement on ne devrait pas l'arrêter. Jusqu'à ce que la personne me dise, écoute, je ne veux plus que tu me fasses nasiha. Naam. Si tu me fais nasiha, je te divorce. Si tu me fais nasiha, je te frappe. Je te sors de la maison et comme ça. Tant que c'est possible de la faire, je la fais. Bien sûr, sans exagérer au point que la personne ne veuille plus s'asseoir avec moi. Enfin, à force d'exagérer, hein. Donc il va dire, moi je vais plus m'asseoir avec cette personne, on va me parler que de dîn et de prière, 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 prière. Non. Donc, il faut savoir comment, à chaque fois que je trouve l'occasion de parler et que je trouve des oreilles attentives, je saute sur l'occasion pour parler avec hikma et sagesse. Non. Et je ne dois pas, comme on a vu tout à l'heure, m'ébranler s'il n'y a pas de résultat. Car il est possible qu'il y ait un résultat, mais plus tard. C'est pas moi qui décide. Comme a dit Allah Ta'ala, in alayka illa al-balagh. Quant à toi, yani, tu ne dois qu'avertir, c'est tout. Balagh est de propager. Quant à Allah Azzawajal, c'est lui qui décide quand est-ce que cette personne va accepter et commencer à pratiquer. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Tfadal. Question suivante, question d'un frère. Ahsanallahu ilaykoum, cher. Il y a des sœurs du Minhaj qui demandent, est-ce qu'il est permis de prendre des cours juste de tajwid d'une sœur qui n'est pas du Minhaj? Et sachant qu'elles vont juste quand elle fait les cours sur le tajwid. Mais quand elle fait d'autres cours, elles n'y vont pas. Sachant que des chouyours ont déjà répondu à cette question, barakallahu fikoum, de nous éclaircir. Plus, trois d'achat. Oui, des fois, il fait partie des gens de la masse, et des fois, il fait partie des gens qui font la da'wa à leur minhaj. C'est pour cela que si cette personne qui n'est pas du minhaj et qui fait partie des gens de la masse, qui ne connaît rien sauf le tajwid, hein, qui ne va pas parler d'autre chose, hein, dans ce cas, c'est permis, inshallah ta'ala. Mais si cette personne fait da'wa et parle et fait des commentaires et dit voilà ceci est permis, ceci n'est pas permis, et que peut-être même il y a critique certaines choses là, il faut l'éviter. Car Cheikh Ibn Uthaymin, en général, il dit on ne doit pas prendre son dîn, il a dit même tajwid, comme ça il a dit, on ne doit pas prendre son dîn de quelqu'un qui n'est pas sur le minhaj. Il a dit pourquoi? Il a dit car, premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Il a cité deux choses. Première des choses, on va lui faire croire qu'il est masha'Allah. Donc lui, il va se dire, regarde, je suis masha'Allah. Yani, beaucoup de gens viennent s'asseoir à moi et prendre de moi. Donc il ne saura jamais qu'il est sur le mauvais chemin. Et la deuxième des choses, deuxième mushkila, on va faire croire aux gens que cette personne est masha'Allah. Car les autres sœurs, quand elles vont vous voir
assises avec celle-là, elles vont quoi? Elles vont dire donc, cette sœur doit être mashallah, sinon pourquoi ces sœurs qui sont salafis s'assoient avec elle? Non. C'est pour cela que je dis, moi, d'après mon avis, Allah ta'ala, si vous évitez, c'est mieux. Déjà que ahkam tajwid, ce n'est pas une chose obligatoire à apprendre. C'est-à-dire, si tu meurs yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas appris ahkam tajwid. Si c'était quelque chose d'obligatoire, peut-être plus ou moins. Mais ça, ce n'est même pas obligatoire. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous faire une solution. Naam. Tfadhal. Question suivante d'une sœur. Vous avez dit que le kuffar a le paradis ici-bas, que c'était la justice d'Allah. Mais certains sont SDF, sans domicile fixe, ou sont dans un pays en guerre, ont beaucoup de problèmes, etc. Alors comment expliquer cela? Par contre, je ne sais plus si vous avez employé le mot justice, comme je l'ai dit dans ma question. Tfadhal, cher. Afwan khayran, j'étais occupé. Si c'est possible de reposer la question, inshallah ta'ala. Non, mais je vous la répète, cher. Vous avez dit que le kofar a le paradis ici-bas, que cela était la justice d'Allah. Mais certains sont SDF, sans domicile fixe, ou sont dans un pays en guerre, ont beaucoup de problèmes, etc. Alors, comment expliquer cela? Par contre, je ne sais plus si vous avez employé le mot justice, comme je l'ai dit dans ma question. Tfadhal, cher. Qu'est-ce qu'il a dit là des SDC ou là qu'est-ce qu'il a dit, ils sont en guerre, etc. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il veut dire? Vous avez dit que le kuffar a le paradis ici-bas. C'est la justice d'Allah Ta'ala. Mais certains sont SDF. Ou sont dans un pays en guerre, ont beaucoup de problèmes, etc. Alors comment expliquer ça? Cela. Par contre, je ne sais plus s'il a employé le mot justice, comme je l'ai dit dans ma question. Muslim, tu peux expliquer un peu? Muslim, est-ce que tu es là? Non, c'est pas obligé que ça soit muslim. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a écrit? Attendez, S, une seconde. SDF et en guerre, etc. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non, mais cher, salam alaikum. Donc, en fait, c'est très simple. Vous avez dit que le kuffar a le paradis ici-bas, que cela était la justice d'Allah. Mais certains, c'est-à-dire certains kuffars, certains kéfirines, sont SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. C'est-à-dire, c'est des gens qui dorment dehors, qui n'ont pas où dormir, et qui sont dans une misère totale. Et d'autres pays sont en guerre, c'est-à-dire où il y a l'insécurité, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ceci est le paradis pour eux? Donc il y a beaucoup de problèmes, etc. Alors comment expliquer cela? Non, très bien, cher. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, alhamdoulillah, maintenant c'est très clair, c'est très clair. En fait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette dunya, c'était le paradis du kafir et la prison du musulman, toujours en islam, toujours, les jugements, c'est d'après quoi? C'est d'après la majorité. Non, la majorité des kuffars sont comme ça. Pour eux, c'est un paradis. Et pour la majorité des musulmans, c'est quoi? Cette dunya, c'est une prison. Non. Sinon, il y a des kuffars, non, il y a des kuffars qui vivent, il y a eu beaucoup de problèmes. Qui vivent beaucoup. Comme il y a des musulmans, donc, comme il y a des musulmans qui, dans cette dunya, dans le paradis. Il y a des musulmans qui sont dans le paradis, c'est-à-dire que il est musulman mais il n'applique pas. Il fait mille et une choses. Non, donc c'est le contraire, c'est le contraire. Mais sinon en général, le kafir, non, pour lui c'est la dunya et là-bas il n'a rien. Et le musulman pour lui c'est la prison et là-bas il a tout. Mais bien sûr, des fois il y a exception à cette règle. Des fois il y a exception à cette règle. Sinon les jugements en islam, c'est d'après la majorité, mais il n'y l'a été. Alors ensuite, je profite ici pour vous dire une chose. Pour vous dire une chose. Une fois, il y avait l'Izbnu Abdussalam.
Al-Iz ibn Abd Salam, quelqu'un très connu, yani un grand savant. Comme on dit Allah Ta'ala, man kana yuridu al-ajilata ajalna lahu fiha ma nuridu, ajalna ma nuridu. Il manque quelque chose, cher. Man kana yuridu al-ajilata ajalna lahu fiha ma nasha. Tu n'as pas dit ma nasha, dit man nurid. Naam. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmouman madhura. Ça. Je disais, Al-Izz ibn Abd Salam, un grand savant, une fois, il est sorti, yani, d'ailleurs, il s'habillait, masha'Allah, s'habillait, masha'Allah, yani, yani, luxe, si on peut dire. Ensuite, un juif, une fois, a voulu, yani, le mettre au pied du mur. Il a dit à ce savant, il lui a dit, je vais te prouver, naam, que ça a un rapport avec la question qu'on vient de poser maintenant. Je vais te prouver que votre religion est fausse et que votre prophète, yani alayhi salatu salam, yani, dit des choses qui ne sont pas vraies. Il lui a dit, alors donne-moi un exemple. Dis-moi où est-ce qu'il a dit une chose qui n'est pas vraie. Il lui a dit, votre prophète a dit que cette dunya, c'est une prison pour le croyant. Naam. Et regarde-toi comment tu es, masha'Allah, habillé comme quelqu'un du paradis. Et moi, naam, et le hadith a dit à la fin, et c'est une prison, et c'est un paradis pour le mécréant. Oh, regarde-moi comment je suis, très mal habillé et très pauvre. Très mal habillé et très pauvre. Naam. Donc, le prophète, votre prophète, quand il a dit ça, il a menti. Ou alors il a dit faux. Naam. Est-ce que quelqu'un connaît sa réponse? Comment lui a répondu ce savant? Pour que vous sachiez comment les savants de l'Ahiberg, voilà, tu sais, comment ils ont tous une réponse, masha'Allah, l'Ahiberg. Alors le savant lui a répondu, lui a dit, en fait, moi, la façon dont je suis habillé maintenant, naam, il a dit, voilà ce qu'a voulu dire le prophète Islam, la façon dont je suis habillé maintenant avec toute cette parure et tout cela, naam, comparé à ce qui nous attend, nous les croyants, demain dans le paradis, c'est comme si j'étais en enfer malgré tout ce que toute cette belle parure. Comparé, voilà ce qu'il y a demain pour les croyants, c'est comme si je suis dans une prison, naam. Et vous les kofars, naam, malgré toutes les souffrances, tout ce qu'il y a maintenant de pauvreté, etc., comparé à ce qui vous attend là-bas, comme souffrance et comme difficulté, et comme pauvreté, comme, c'est comme si vous étiez dans un paradis. C'est comme si vous étiez dans un paradis. Il s'est tu, il n'a pas trouvé de réponse. Naam. Qu'Allah Ta'ala nous apprenne notre religion. Tfadal. Question suivante. Donc je vous préviens, cher, cette question est assez longue. Donc, bismillah. Je vous écris car je vous avais posé une question la dernière fois concernant le sadl. Voici un rappel de la question à laquelle vous avez répondu. Vous avez parlé pendant le cours de la prière que certains font rapidement et du coup est invalidé. Non, cher, je sais. Donc je continue. Non. Vous avez parlé pendant le cours de la prière que certains font rapidement et du coup est invalidée. Dans l'école malikite, certains prient en sadl. Pourquoi prient-ils de cette manière alors que l'imam Malik, rahimahullah, a recensé un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait de prier en qabd, dans le muwatta. Son élève, l'imam al-Qasim, a eu une influence sur le fait de prier en sadl en racontant l'histoire que l'imam Malik, rahimahullah, avait vu des savants de Médine prier de cette façon. À l'heure actuelle, les gens qui se disent malikites, j'ai l'impression qu'ils sont plus qasimites qu'autre chose. Peut-on dire qu'ils ont délaissé la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur le qabd? Vous m'avez répondu qu'effectivement, c'était un délaissement du hadith, mais j'ai trouvé cette parole d'un compagnon. J'aimerais avoir des informations sur sa chaîne de transmission et si sa compréhension en français est la même en arabe. Voici le hadith. Mohamed ibn Amir ibn Atta a dit, j'ai entendu Abu Humaid al-Sa'idi
dire alors qu'il était en compagnie de 10 des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je suis celui d'entre vous qui connaît le mieux la manière de prier du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, comment cela se peut-il, alors que par Allah, tu n'es pas celui qui a passé le plus de temps avec lui, et que tu n'étais pas non plus un de ses compagnons avant que nous le soyons. Il a dit, c'est pourtant la vérité. Ils ont dit, montre-le-nous. Il a dit, chaque fois que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait debout pour prier, il levait ses mains jusqu'à ce qu'elles soient parallèles avec ses épaules, puis disait Allahu Akbar, jusqu'à ce que chaque os rejoigne son emplacement naturel de manière droite. Puis il récitait, puis il disait Allahu Akbar, et levait ses mains jusqu'à ce qu'elles soient parallèles avec ses épaules. Puis il s'inclinait en plaçant ses paumes sur ses genoux. Puis il mettait son dos bien droit pendant l'inclinaison, sans baisser la tête ni la relever. Puis il redressait la tête et disait « Allah entend celui qui le loue. » Puis il levait ses mains jusqu'à ce qu'elles soient toutes deux parallèles avec ses épaules. Puis il disait « Allahu Akbar. » Puis il tombait au sol et étendait ses bras loin de son corps. Puis il levait la tête, pliait sa jambe gauche et s'asseyait dessus en écartant les orteils de ses pieds quand il tombait pour se prosterner. Puis se prosterner et disait « Allahu Akbar. » Puis il se redressait, pliait sa jambe gauche et s'asseyait dessus jusqu'à ce que chaque os retourne à son emplacement. Puis il faisait de même dans l'autre raka'a. Et quand il se relevait des deux raka'at, il disait Allahu Akbar, levait ses mains jusqu'à ce qu'elles soient parallèles avec ses épaules de la même manière qu'il avait fait le takbir au début de la prière. Puis il continuait dans le restant de la salat jusqu'à la prosternation contenant le teslim, laissait sortir sa jambe gauche et s'asseyait en s'appuyant d'un côté sur sa fesse gauche. Ils ont dit, tu as dit la vérité. C'est ainsi qu'il priait, sallallahu alayhi wa sallam. Cette version du hadith est rapportée par Ahmed dans son Musnad, par Abu Daoud et At-Tirmidhi dans leur Sunan. Al-Bukhari rapporte une version plus courte dans son Sahih. Maintenant, certaines personnes chez les Malikites disent ont pour argumentation que l'imam Malik avait recensé un hadith qu'il ne l'avait pas appliqué aussi comme les acheteurs-vendeurs ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. Et a répondu sur le pourquoi de cet acte en disant, pour qu'un ignorant comme toi ne vienne pas et ne dise que j'ai fait en contradiction de ce hadith par ignorance du hadith. Premièrement, est-ce que ces paroles sont authentiques? Sinon, est-ce que je peux appliquer la parole de l'imam Shafi'i? Si je rapporte d'après le messager d'Allah un hadith et je ne le prends pas, c'est-à-dire je ne l'applique pas, sachez que ma raison s'est certes enfuie. Pour contredire leur argumentation, peut-on dire que ces malikites, qasimites, sont rentrés dans un certain fanatisme, ou bien taqlid, qui n'est pas permis? Je trouve qu'il n'y a pas de mal à suivre un madhhab, sauf quand on rentre dans ce genre de fanatisme, surtout qu'à l'époque de l'imam Malik, ou trouver des savants plus savants que lui, comme l'imam Shafi'i l'a rapporté en ayant étudié avec les élèves du savant d'Égypte, l'imam El-Layth ibn Sa'd, qui était décédé lors de sa venue et qui a dit qu'il avait plus de sens que l'imam Malik dans le fiqh en étudiant avec ses élèves. Cette information, je l'ai tirée de l'explication d'un livre de Cheikh Bazmoul, même s'il y a eu une parole de Cheikh Djabiri sur lui. Il reste bon dans sa aqida, je pense. Merci, cher. Tfadal, cher. Donc la question est très longue. Ah, non, la question est très longue. Donc il y a à l'intérieur de la question il y a deux ou trois questions. Par rapport au athar, par rapport au athar, non, pour que je sache s'il est authentique ou il n'est pas, il faut qu'il me donne au moins son début en arabe, au moins son début, au moins qu'il commence pour pouvoir yani, vérifier, lui rendre yani, la réponse dans le prochain cours, bi-idhnillah. Alors ça, c'est par rapport au Atal. La deuxième question dont je me rappelle, parce qu'il y avait deux ou trois questions, peut-on dire que c'est malikite? Non, c'est pas cela. Est-ce que je peux appliquer la parole du même Shafi'i si je rapporte le... Celle-là, je n'ai pas comprise. Je n'ai pas comprise comment on peut appliquer la parole de Shafi'i. Qu'est-ce qu'il veut dire par là par rapport à l'imam Malik?
Imam Malik rahimahullah ta'ala, non, c'est pas possible que pour lui un hadith est authentique et ensuite il ne le suit pas. C'est pas possible. Non. Il doit, yani, on doit appliquer ce qu'a dit ici Shafi'i. C'est pas possible que l'imam Malik ou bien Shafi'i ou bien un des grands sache que le professeur ait dit une chose et que ça soit authentique, ensuite qu'il ne le fasse pas. Ça n'existe pas. Non. Ensuite, quand il a parlé des Qasimites, il a dit ceux qui suivent Boulkassim, ils ont dit est-ce que ils sont rentrés dans le fanatisme? Non. Ceux qui ont suivi cette personne, se divisent en deux. Il y en a les gens de la masse, ceux-là, bien sûr, on ne peut pas porter de jugement sur eux, ce sont des gens de la masse. Et on a ceux qui, Allah Ta'ala, donné de la science, etc. Mais malgré cela, ils ont voulu fermer les yeux et mettre comme quelque chose sur leurs yeux et n'ont pas voulu suivre le délit. Ils ont dit, nous, ça nous suffit de suivre le Qasim. Dans ce cas, yani, ça rentre dans le fanatisme, a'oudou billah. Ça rentre dans le fanatisme. Une seconde, il y a autre chose ici. Il y a autre chose. Je vois c'est quoi, dit cette autre chose. Une seconde, il faut que je monte en haut. Quand je monte, ça descend tout seul, donc je dois enlever une chose. On va dire réglage. Ensuite, celui qui a posé la question a dit, je trouve que suivre un madhhab n'est pas grave, même si on n'est pas fanatique, si on ne devient pas fanatique. Je dis, mais quelle est la preuve qu'on ne devient pas fanatique? C'est très rare que quelqu'un suive un madhhab, ensuite qu'il ne devienne pas fanatique. C'est très rare. Non. Donc, il reste des années à s'enfermer, s'emprisonner dans un madhhab, sans qu'il ne connaisse ce qu'a dit Allah Ta'ala, ni son prophète, alayhi sallam, parce qu'il est à l'intérieur du madhhab. Il suit seulement ce chef du madhhab. Il le suit aveuglément. Il suit toutes ses paroles. Naam, il cherche pas le délil. 20, 30 ans, je ne sais combien de temps. Ensuite, tu vas lui dire ce que tu dis là, il faut, par exemple, dans cette chose. Il y a un hadith. Jamais il va accepter. Il te dit, par exemple, s'il est malikite, il te dit, ah bon, alors tu crois que l'imam Malik ne savait pas ça. Alors toi, tu connais le hadith que tu viens de citer, tu le connais mieux que l'imam Malik. Donc toi, tu connais le hadith et l'imam Malik ne le connaît pas. Et comme ça, il va te dire. Et ce sera très difficile de sortir du madhhab. C'est pourquoi la meilleure voie, c'est de prendre directement, naam, des savants qui te donnent directement le Coran et la Sunna d'après la compréhension des salafs, directement. Sans passer par le madhhab. Le madhhab, si je veux par la suite, je fais des études dans le madhhab pour savoir ce qu'a dit ce madhhab, pour le comparer avec un autre madhhab. Ou alors, j'ai mais je fais le tarjih, c'est-à-dire je compare avec ce que dit le madhhab et un autre madhhab, ou bien avec le Coran et la Sunna. Et à la fin, je sors avec une conclusion. Ici, ce qu'a dit le madhhab est vrai, parce que c'est adéquat avec le verset et le hadith. Ou bien, ce qu'a dit ici le madhhab, c'est pas vrai. Non, c'est comme fait Cheikh Ibn Uthaymeen. Il va t'expliquer, par exemple, un livre des Hanabilas, et à chaque fois, dans chaque mas'ala, il va dire, voici l'avis le plus juste. Ou bien, cette chose-là est conforme avec la charia, ou bien n'est pas conforme. Wallahu ta'ala alam, tfadl. Non, monsieur, on arrive à la fin du temps. Et une fois de l'écoute, si vous pouvez m'accorder le PV, juste après, Inch'Allah. Tfadal, cher. Je de poser encore une autre question, tfadl. Non, donc, je reprends les questions suivantes, cher. Yé, cher, qu'Allah vous protège et vous récompense. Certaines personnes viennent à moi me raconter leurs erreurs dans le but que je leur apporte des conseils. Une fois que je les ai conseillées, elles trouvent des excuses. Quelque temps après, elles reviennent vers moi, toujours pour les mêmes raisons, alors qu'elles n'ont pas appliqué mes conseils précédents. Dois-je malgré tout patienter et leur répéter les conseils car cela se répète plusieurs fois, le fait qu'elles n'acceptent pas, puis reviennent. Barakallahu fikoum ya cher. Tfadal cher. Tant qu'elles reviennent, c'est déjà mashallah. Tant qu'elles reviennent, c'est déjà mashallah. Donc maintenant, si on a l'occasion
de leur montrer quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète et de la charia, yani on ne doit pas quoi? On ne doit pas yani dire bon, puisqu'il n'applique pas, donc je lui montre pas. Il n'a pas appliqué autre chose, mais maintenant peut-être qu'il applique celle-là. Ou alors je peux aussi lui faire une remarque et lui dire, je ne sais pas pourquoi tu me demandes des choses, ensuite tu ne les appliques pas. J'ai remarqué que plusieurs fois tu as demandé des choses et je t'ai dit voilà telle et telle chose c'est haram par exemple, et tu es toujours en train de faire le haram. Non. Et puis des fois, n'oublie pas une chose, il ne faut pas oublier une chose. Des fois, on leur montre la vraie, la charia, le jugement d'Allah Azzawajal et de son prophète Aïssa. Et des fois, ce n'est pas facile, yani pour un débutant, à appliquer. C'est comme si quelqu'un vient te dire voilà, je voudrais savoir c'est quoi le statut de la cigarette. Tu lui dis c'est haram. Et lui, ça fait 30 ans qu'il fume. Tu dis barakallahu fik, jazakallahu khair, etc. Ensuite, après, tu trouves quoi? Tu trouves que il fume toujours. Donc, pour un débutant, ce n'est pas facile qu'il délaisse la cigarette. Donc, ce n'est pas à cause de cela que, si après il vient me demander c'est combien la zakat, etc., que je dois lui dire non. Je lui dire non, toi, je t'ai pas répondu sur la cigarette, tu ne l'as pas délaissée, donc je ne te réponds pas. Ce n'est pas possible. Non. Tfadal donc pour une autre question. Question suivante. Cher, quand vous avez parlé de la patience face à la désobéissance d'Allah Ta'ala, quel est le jugement d'une personne qui pense patienter, mais en faisant des péchés et se repent par la suite, est-il considéré comme de la patience? Tfadal, cher. Une seconde, je vais lire, Inch'Allah Ta'ala. Quel est le jugement d'une personne qui pense patienter, mais en faisant des péchés, et se repent par la suite, est-elle considérée comme de la patience? Une personne, Nan, qui a patienté, ensuite a fait le péché. Au moment où elle patiente, elle a des récompenses, bi'idhnillahi ta'ala. Au moment où elle fait le péché, elle a un péché. Au moment où elle se repent par la suite, elle a quoi? Des récompenses pour s'être repentie. Ou alors, si elle n'a pas de récompense, elle a l'expiation du péché pour s'être repentie. Naam. À condition qu'elle se soit repentie vraiment, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait de patienter par rapport au péché, les gens diffèrent. Naam. La foi de X n'est pas comme la foi de Y. La foi de Y n'est pas comme la foi de Z. La patience de X n'est pas comme la patience de Y. La patience de Y n'est pas comme la patience de Z. Et comme ça. Non. À la rigueur, on fait le repentir. Fadlallah, une autre question. Non, donc comme je viens de l'écrire sur le salon, la personne qui a le pseudo Ahmed Abou Mouad, je lui demande de me contacter en privé, Inch'Allah. Question suivante, cher, question d'une sœur. Il m'arrive parfois de manger certains aliments qui collent aux dents. Lorsque je vais faire la prière, j'avale certains résidus qui étaient collés à mes dents. Ceci se produit souvent, parfois, je me rince la bouche avant la prière, mais ça m'arrive quand même. Ceci est-il considéré comme avoir mangé? Barakallahu fekoum. Tfadal, cher. La personne qui mange, naam, et qui ensuite va prier, vous savez que la sunna c'est d'avoir un siwak avec soi. Naam. Comme ça, avant de rentrer dans la prière, je passe le siwak sur mes dents. Maintenant, si je me suis lavé les dents, ou bien passé le siwak, ensuite dans la salat, il y a des choses qui sont dans ma bouche, naam, je l'essaye de les faire sortir de ma bouche. Naam. De les faire sortir de ma bouche. Maintenant, si c'est comme des choses vraiment, vraiment très petites que j'avale, il n'y a pas de problème. Non. Mais si c'est que. D'ailleurs, dans tous les cas, la plupart du temps, ce qui colle aux dents, c'est des petites choses, vraiment petites. Non. Que ou bien je fais sortir de ma bouche, si j'ai par exemple un mouchoir. Je laisse un mouchoir avec moi et je mets un mouchoir devant ma bouche et je crache ces choses. Dans le mouchoir, et je remets le mouchoir dans ma poche, dans la salade. Mais il ne faut pas exagérer. Il faut pas faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps exagérer. Non. Tfadal. Qu'est-ce que ça veut dire comment on s'en sert du siwak? J'ai pas compris. Le siwak, on s'en sert par rapport à la salade. On s'en sert dans le wudu. Dans le wudu. Quand on fait le wudu, on arrive à la bouche pour faire entrer l'eau trois fois dans la bouche et le nez. Là,
je mets l'eau dans ma bouche, ensuite je mets le siwak, ensuite je mets l'eau, ensuite je mets le siwak, et comme ça. Naam. Ça c'est par rapport au siwak ou au dos. Maintenant, par rapport à la salat, c'est avant de commencer à prier, avant de dire Allahu Akbar, naam, je prends le siwak et à condition que l'imam n'ait pas dit Allahu Akbar. Naam. Et je commence à me frotter comme ça les dents. Certains ont dit de droite à gauche. Et certains ont dit de gauche à droite. Et certains ont dit avec la main droite enlevée. Certains ont dit avec la main gauche. Et chacun a son délil bi'idhnillahi ta'ala. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Siwak mataharatun lil fam. Et avant cela, il a dit, Mardatun lil rabb mataharatun lil fam. Donc le prophète, alayhi wa sallam, en parlant du siwak, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est un agrément pour Allah. Et un désinfectant pour la bouche. Donc, est-ce qu'on va le faire avec la main droite ou avec la main gauche? Si je vois le début du hadith, c'est un agrément pour Allah. Ce que Allah Ta'ala agrée, on le fait par la droite, par la main droite. Si je vois, yani, la deuxième partie du hadith, c'est un désinfectant pour la bouche et pour me désinfecter. Naam. Je me désinfecte avec la main gauche, pas avec la main droite. Donc je le mets avec la main gauche. C'est pour ça que les savants ont dit, quand quelqu'un va s'essuyer avec le siwak, on va voir ce qu'il a dans l'intention. Est-ce que c'est une ibada, une adoration, avec la main droite? Ou alors, est-ce qu'il a dans l'intention que il veut se désinfecter la bouche, enlever ce qui a collé comme aliment, etc. Dans ce cas, il le fait avec la gauche. والله تعالى أعلم تفضل مي افيك لي دو مان سي Question suivante, cher. Question par rapport au verset Al-Ankabut 10. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Est-ce que l'on fait da'wah, on sait ce qu'il y a dans nos cœurs comme intention, ou est-ce juste une impression et seul Allah sait si nous sommes sincères ou non? Tfadal, cher. Je n'ai pas bien compris la question. Non, la partie où c'est écrit impression, je ne l'ai pas compris. Fawzi demande à la sœur, la personne qui a posé cette question. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Est-ce que lorsqu'on fait da'wah, on sait ce qu'il y a dans nos cœurs comme intention, ou est-ce juste une impression? L'impression, ça, je ne comprends pas non plus. Et seul Allah sait si nous sommes sincères ou non. Je pense avoir compris la question, Allahu Ta'ala alam. Naam. Quand on fait da'wah, nous, est-ce qu'on sent, yani, qu'on est sincère? Ou là, des fois, est-ce que ça arrive que on sente qu'on n'est par exemple sincère alors que ce n'est pas vrai, que seul Allah Azza wa Jalla connaît là, yani, ce qu'il y a dans les cœurs. C'est vrai, en fait, c'est Allah Azza wa Jalla qui connaît vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il y a dans les cœurs. Mais des fois, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur le cœur du sincère, de la personne sincère, il y a quelque chose qui lui donne comme ça un apaisement bi'idhnillahi ta'ala. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner comme ça des signes, comme quoi il est sincère dans sa da'wah. Hein? Par exemple, quand il meurt, Allah ta'ala va propager sa da'wah et ses livres, etc., comme par rapport à Cheikh Ibn Uthaymeen et beaucoup d'autres. Non. تفضل. Ah, donc, dernière question, cher. Ahsanallahu alaykoum, cher. Non, celle-ci, je l'ai déjà lue. Question d'un frère qui pose la question d'une sœur. Mes parents m'ont abandonné étant petite. J'ai essayé plusieurs fois de renouer les liens de parenté, mais ils ne veulent plus rien avoir avec moi. Le fait d'être rejeté par mes parents me met très mal. Dépression, etc. Suis-je dans le péché si je ne cherche plus après eux? Ou font-ils que j'essaye encore? Aussi, si vous pouvez laisser un message à ma mère adoptive, car elle me considère vraiment comme sa fille biologique. C'est une musulmane, et elle ne m'a pas allaité, et aussi puis-je les appeler papa et maman, et pouvez-vous nous conseiller par rapport au port du voile devant ses fils et son mari? Mamoustahan, qu'Allah vous aide, Fadal Cher. Vous m'entendez? Pour la question, yani, celle qu'on vient de lire maintenant, c'est vraiment, yani,
comment dirais-je, c'est vraiment triste qu'il y ait des parents qui ne reconnaissent pas leurs enfants. Vraiment, vraiment triste. Ensuite, c'est très grave pour eux, Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah, c'est très grave pour eux. Car quand on fait des enfants, comme on dit, hein, c'est pour assumer la responsabilité. C'est pour bien les éduquer dans l'islam et leur montrer, yani, le dîn, etc. Et pour aussi, yani, les habiller, leur donner à manger, etc. Et les éduquer, etc. Maintenant, je dis, si la personne, je crois que c'est une sœur, si cette personne peut comment yani, leur envoyer des gens yani, pour leur faire la morale, etc. Ou un imam, ou je ne sais qui. Allahumma barik, ya Mahmoud. Allahumma barik. Donc, si je peux, si c'est possible de lui envoyer, de leur envoyer des gens, des intermédiaires, pour essayer, inshallah ta'ala, de peut-être les faire revenir à la raison. Masha'Allah. Maintenant, si c'est pas possible, si c'est pas possible, dis à cette soeur, bi'idhnillahi ta'ala, je lui dis, je lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Car si c'était le contraire, par exemple, on va te dire, voilà, tes parents vont revenir, mais tu n'as ni dîn, ni rien, ni Allah est avec toi. À quoi ça sert? Maintenant, toi, tu as Allah subhanahu wa ta'ala, et puisque eux, les parents, ne veulent pas te reconnaître, l'essentiel, j'ai Allah ta'ala, qui me soutient, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je suis dans son dîn et Inch'Allah, il est ravi de moi et j'essaie de le ravir et comme ça. Maintenant, par rapport à la mère, c'est pas biologique, la mère adoptive. Par rapport à la mère adoptive et son mari, si cette mère adoptive ne l'a pas allaité, ni une de sa famille, pas sa mère, la mère de la mère adoptive, ni sa soeur, ne l'ont adoptée, ne l'ont allaitée, donc, c'est toujours une étrangère. C'est toujours une étrangère. Donc, le adoptif, son père adoptif, est toujours un étranger par rapport à cette sœur. C'est-à-dire, quand elle devient pubère, il n'a plus le droit de la voir, quoi? De la voir dévoilée. Et si cette mère adoptive, a des enfants, des garçons, ce sont des étrangers par rapport à cette sœur qui a posé la question. Et ce ne sont pas ses frères. On ne peut pas yani, dire parce qu'on a élevé cet enfant, même si elle était bébé, ça va pas faire d'elle obligatoirement notre enfant. Elle est toujours adoptive et elle a été adoptée. Donc, il faudrait respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste que la personne n'a pas juste dit une chose. Elle n'a pas dit quoi? Elle n'a pas dit si cette famille lui ont donné leur nom ou ne lui ont pas donné leur nom. Elle n'a pas dit cela. Car ça aussi, ça a, inshallah ta'ala, une fatwa. Ça a aussi une fatwa. Non. C'est ce que je crois, l'imam Ibn Qayyim. Ibn Taymiyyah aussi, Ibn Qayyim a dit cela. Mais je ne peux pas lui dire cela. Pourquoi? Tout simplement parce que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, n'est pas de cet avis. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, n'est pas de cet avis. C'est pour cela que je ne peux pas prendre cette responsabilité. Par contre, si ses parents, si ce couple lui ont donné le nom, et que maintenant dans le livret de famille, elle s'appelle du nom du mari à cette mère adoptive, c'est-à-dire si elle a le nom de famille du père adoptif. Dans ce cas, il y a, inshallah ta'ala, une fatwa de Cheikh Ben Othaymine. Et je pourrai lui répondre, inshallah ta'ala, dans le prochain cours. Naam. Donc, inshallah ta'ala, on arrête ici. On va se rencontrer demain, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala.
demain, bi'idna subhanahu wa ta'ala, dans le cours, inshallah ta'ala. Abdelaziz PV, d'accord. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.